19h. Bienvenue à cette nouvelle session d'information sur la télévision nationale congolaise. Dans l'actualité, après 3 jours d'intenses travaux pour la promotion des compétences et initiatives de l'élite scientifique et technologique congolaise et la volonté de celle-ci de prendre en main le développement socio-économique du pays de manière souveraine, le Forum du génie civil congolais a fermé ses portes ce jeudi au Palais du Peuple. Au terme de cette session, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a remis les brevets aux participants. Reportage. Le génie scientifique est une discipline qui met en conjonction la créativité, l'innovation et les compétences techniques pour résoudre les problèmes complexes d'une société. Chercheurs, inventeurs et innovateurs, déclinés en plusieurs disciplines, tous passionnés par les sciences et la technologie, ont pendant 4 jours participé à la 2e édition du Forum du génie scientifique congolais. Des assises qui avaient pour objectif de promouvoir les innovations made in DRC et d'intégrer les talents congolais dans le développement socio-économique de la République démocratique du Congo. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tient à l'importance du génie scientifique pour le développement économique et social du pays, a marqué de sa présence la cérémonie de clôture qui a connu la participation de plusieurs personnalités et responsables des différentes institutions du pays. Une présence qui traduit la détermination et le soutien de la plus haute institution du pays pour ce secteur vital qui conduira à n'en point douter à l'émergence économique et sociale de la RDC. Le développement de la recherche scientifique et technologique est le socle sur lequel repose tout progrès social et économique. C'est pourquoi je réaffirme aujourd'hui devant vous mon engagement indéfectible à soutenir la recherche scientifique et l'innovation technologique. Par l'entremise du ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique, je veillerai à ce que ce secteur vital soit soutenu, non seulement par des paroles, mais aussi par des actions concrètes. Après avoir communié avec ses inventeurs, innovateurs et chercheurs à travers une visite des différents stands, le chef de l'État a promis un accompagnement à travers une structure de coordination interministérielle dont il a séance tenante instruit la mise en place dans un plus bref délai. Elle aura pour mission de veiller au progrès scientifique réalisé dans le secteur. Il apparaît plus que nécessaire d'envisager la création d'une structure de coordination interministérielle qui aura pour mission de veiller à la mise en œuvre effective des politiques de recherche et d'innovation dans tous les domaines de la vie nationale. En ce qui concerne le financement de la recherche, il est impératif de revoir et de renforcer les mécanismes actuels. Je charge donc le ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique de présenter dans les plus brefs délais un projet de texte législatif au Conseil des ministres qui garantira un financement innovant et adéquat pour nos chercheurs et innovateurs. Le ministère de la Recherche scientifique et innovation technologique, qui organise ces assises, indique que ce conclave scientifique vise à mettre en place une véritable politique de recherche technologique rigoureuse et volontariste, suivant la vision clairement exprimée du président de la République dans le domaine de la recherche et de l'innovation technologique. La remise des brevets aux participants par le président de la République a clôturé la cérémonie du jour. La cérémonie d'aujourd'hui. Lutte contre la propagation de la pandémie de l'épidémie Mpox, la commune de Mongafula parmi les municipalités infectées. Les bourgmestres de cette entité s'est entouré des différents responsables de services de sécurité ainsi que sanitaires pour des voies et moyens pouvant limiter sa propagation. Pascal Chicho. Épidémie de Mpox à Kinshasa, la commune de Mongafula enregistre déjà son premier cas.
au quartier Matadimayo. Le bourgmestre de cette municipalité, Séverin Lumbu Malamba, a réuni en urgence les responsables des services de sécurité et de santé. Question de peaufiner des stratégies pour la riposte. Bien suivre les conseils prodigués par les différents médecins que nous avons. Évitons les salutations à main nue. Cette maladie se transmet aussi par des voies sexuelles. Et cette population doit tout faire pour qu'elle ne soit pas contaminée. La collaboration entre la police, la population et toutes les associations, ensemble, nous devons marcher pour que l'ennemi qui vient toujours déranger la population soit hors d'état de nuire. Déterminé à limiter les cas de contamination de cette épidémie, le médecin chef de zone de santé Kabongo a pour sa part parlé de modes de transmission et de mesures préventives liées à la variole des singes. Nous avons saisi cette opportunité avec l'autorité politico-administrative pour lancer officiellement le message de cette lutte contre cette épidémie dans la zone de santé de Mongafula pour dire à l'ensemble de la communauté qui était sur place qu'il n'y a pas un traitement jusqu'à ce jour connu officiellement, si ce n'est un traitement symptomatique. Nous martelons ici sur les mesures barrières par rapport à cette maladie, notamment le port de masque, la distanciation sociale, le lavement de mains avec du savon ou de la sonde. Ces ensembles de mesures sont des mesures préventives pour nous permettre en fait, de rompre la chaîne de contamination de cette maladie. Les chefs de quartier conviés à cette réunion ont salué l'initiative de l'autorité municipale. En plus des questions sanitaires, de sujets relatifs à la sécurisation de la population de ces coins ont été abordés dans les échanges. Des mesures de riposte pour enrayer l'épidémie au-delà du vaccin, la sensibilisation s'avère indispensable. Des séances de mobilisation sont organisées après l'annonce des cas dans différents quartiers de la ville. Images et commentaires. Mongafula et ses embouteillages, un véritable casse-tête. À la base de cette situation, le non-respect des mesures prises interdisant notamment la circulation des gros véhicules avant 22 heures. Pour une solution d'urgence, le prophète Elie Samano, King Sam, notable de cette municipalité, a échangé sur ces sujets avec les questeurs de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Maître Socrates Mubengai. Autre sujet évoqué, l'état de délabrement très avancé de certaines routes principales. Nous sommes venus pour plaider la cause de la population de Mongafula, qui passe des moments très difficiles à cause des embouteillages, qui ne permettent plus l'accès facile à la population de Mongafula de vaquer à ces occupations. C'est dans ce cadre-là que nous sommes venus plaider auprès de l'honorable testeur afin que cette situation soit effectivement bouclée. Tout à fait positif, je voulais même d'ailleurs le remercier, le fait de nous avoir réussi, mais aussi il a été attentif à notre demande. Nous espérons vraiment que par cette démarche, nous aurons trouvé la solution pour que la population de Mongafula garde à ses occupations un peu et que la situation de la situation de tiers soit effectivement résolue. Les questeurs de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a prêté une oreille attentive à son interlocuteur et lui a rassuré de son implication personnelle dans la recherche des solutions. Le lancement du rapport mondial de la population et la célébration de la journée mondiale de la population, double cérémonie présidée par le vice-premier ministre, ministre du plan Guylaine Nyembo, Peggy Mukunda dans ses reportages. Le gouvernement congolais appelé à s'investir pour la réalisation du deuxième recensement général de la population et de l'habitat. Le représentant du Fonds des Nations Unies pour la
L'organisation de ce second recensement appelé des vœux du chef de l'État se veut une priorité, mieux une impérieuse nécessité. Son fondement repose sur la nécessité pour les autorités publiques de disposer d'une connaissance approfondie. Un rapport lancé depuis le 24 avril dernier à Abuja qui démontre plusieurs progrès en matière de besoins non satisfaits en planification familiale et autres. À Kinshasa, le vice-premier ministre, ministre Duplon, a lui-même présidé cette double cérémonie. La ville de Kinshasa doit revêtir de sa plus belle robe. Le gouverneur Daniel Bumba tient Mordicus à sa matérialisation. Le gouvernement central, par les billets du ministère des Finances, vient à l'appui pour envisager les possibilités de rendre cette vision plus propre, cette ville plus propre, allais-je dire. Sylvie Moyimbo pour les détails. L'option élevée. 2 septembre prochain, des travaux de grande envergure seront lancés à Kinshasa. Ils consisteront à l'assainissement, au curage de rivières et caniveaux, ainsi que la mise en état de notre voirie et construction plus réhabilitation. Le ministre nous a assuré et promis qu'il déjà y aura un appui au titre d'assainissement. Il y aura un appui au titre de curage des rivières. Cette instruction du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tient à la propriété de la capitale de la République démocratique du Congo, est suivie de près par la première ministre Judith Suminwa-Tuluka, qui a instruit le ministre des Finances, Doudou Fouambali Koundé Libotaï. C'est un motif de fierté. Nom du gouvernement, pris l'engagement avec l'ensemble des services spécialisés du ministère des Finances, dont notamment les bureaux central de coordination, le BCECO, d'apporter à la fois notre expertise en tant que pouvoir central, mais également notre appui à la ville pour la réhabilitation de ces voies d'accès rapide au centre-ville et ces voies qui vont désengorger et alléger les embouteillages que nous constatons sur la voie publique. Mais également en demandant aux acteurs de la ville de veiller à ce que la qualité des travaux qui vont être réalisés soit au rendez-vous et que pour cette fois-ci, les chaussées soient réhabilitées dans une perspective de garantir leur utilisation dans un délai plus long. L'argentier de la République a insisté sur la qualité des travaux qui seront effectués. Le gouverneur de la ville de Kinshasa multiplie les efforts pour répondre aux préoccupations des Kinoises et Kinois dans la construction des différentes infrastructures de la capitale. Daniel Bumba sollicite notamment l'expertise de l'Ordre national des ingénieurs civils. Edith Chala pour les détails. Plus rien ne sera comme avant dans la mise en œuvre des projets d'infrastructures et travaux publics dans la ville province de Kinshasa. Le ministre provincial en charge des infrastructures et travaux publics tient à la contribution de l'Ordre national des ingénieurs civils du Congo. Une délégation de cette structure a été reçue en son cabinet de travail. Son Excellence a besoin d'aller vite. Alors il a approché l'Ordre national des ingénieurs civils pour partager sa vision et pour indiquer ses priorités. Il nous a proposé un cadre de collaboration à travers lequel nous allons apporter notre eau au moulin. L'Ordre national des ingénieurs civils du Congo aura le rôle de contrôle dans de projets de infrastructures et grands travaux de la ville en termes d'expertise. En émettant des avis, l'idéal ici serait la mise en place d'un cadre de collaboration permanent pour redorer l'image de la capitale RD congolaise, comme le veut le gouverneur Daniel Bumba Lubaki. Nous pensons avoir fait le tour de quelques priorités et nous attendons de formaliser ce cadre à travers un protocole d'accord qui sera signé entre le cabinet et le bureau de l'ordre. Retenez que l'Ordre national des ingénieurs civils du Congo est une entité professionnelle et technologique qui regroupe tous les ingénieurs issus des écoles polytechniques de la RDC. Poursuivant sa mission de travail dans le Kasaï central, la vice-ministre de l'Intérieur et Sécurité, Eugénie Tshiela, s'est rendue au poste de péage de Mbujimayi pour dissiper toute spéculation liée aux tracasseries policières dans cette partie du pays. Jacques Abobo Mukumina Seduga pour les détails.
L'état actuel de la route nationale numéro 1 dans la province de Kasaï-Oriental n'a pas empêché la vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Eugénie Tchiela Kamba, de se rendre au PS Chimbombo pour vérifier les informations sur les présumées tracasseries des opérateurs économiques opérant avec les volos Bayanda par les forces de l'ordre. Ce qui s'avère faux après la descente numéro 2 de la territoriale sur terrain. Au terme d'un échange citoyen avec les concernés et les services de l'État, il ressort que la police nationale congolaise a fêté à ses postes des sorties de la ville d'Amatifère, remplit bien son devoir dans la protection civile comme le veut le commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo. Notre police se comporte très très bien vis-à-vis de la protection civile. Il n'y a pas d'arrestation arbitraire, il n'y a pas d'exigence de taxes arbitraires. Tout le monde se comporte bien, la police est très bien disciplinée et je suis très contente. Agréablement surpris pour la première fois de voir un membre du gouvernement de son secteur se rendre à un poste de péage pour palper la réalité que vit la population, le commissaire provincial de la police nationale congolaise a eu des mots justes pour remercier de tout cœur ce membre du gouvernement sous-minois. J'étais surpris, je ne m'attendais pas qu'elle allait venir ici, avec tout ce que nous avions connu comme problème au niveau de la route. Vous voyez vous-même qu'il y a assez de sable, mais quand même, nous sommes parvenus à arriver sur place. Je suis très satisfait, impressionné même. Mission accomplie pour la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshiela Kamba, qui a convié la population à faire confiance au chef de l'État et au gouvernement sous-minois. Toujours dans cette province, pour parler de cette itinérance du gouverneur de province dans différents chantiers de la ville de Kananga, c'est là pour se rendre compte de l'évolution des travaux exécutés sur terrain. Reportage. En séjour à Kananga depuis le 28 juillet 2024, le député national Marcel Tshipepele a clôturé ses vacances parlementaires ce mercredi 28 août, conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui recommande à chaque élu de rester de manière ininterrompue pendant au moins 30 jours dans sa circonscription électorale durant cette période. Pendant ses vacances parlementaires, l'honorable Tshipepele a palpé les réalités de l'exécution des projets de grande envergure financés à Kananga par le gouvernement de la RDC et ses partenaires. C'est entre autres les non-débuts des travaux sur la route Kananga-Kalambambouji, un mois après la relance du projet par le ministre des ITPR, les retards observés dans la mise en œuvre du projet d'aménagement de la voirie urbaine de Kananga et le projet de la construction de la nouvelle aérogare de l'aéroport national de Lungandu, ainsi que la visite de quelques sites érosifs qui détruisent la ville de Kananga de façon accélérée. Ayant placé l'eau et l'électricité parmi les priorités de ses actions parlementaires, Marcel Tshipepele a également pris connaissance des réalités de la régie des eaux Kasaï occidentale, de la direction provinciale de la Société nationale d'électricité SNEL, avant d'approcher les responsables de l'agence d'électrification ANSER à propos du projet de construction d'un barrage hydroélectrique sur la chute Mbombo. L'élu de Kananga a profité également de cette période pour lancer sur fonds propres quelques projets infrastructurels en faveur de ses électeurs. Le cap est désormais mis sur des grandes actions parlementaires à mettre en place pour trouver des solutions adéquates à tous ces problèmes qui agacent les habitants de la ville de Kananga. De l'eau déjà menacée de tête d'érosion connaît des travaux d'Hercule pour éviter les drames en vacances parlementaires. Le député national Lambert Mindé a visité ces chantiers. Cédric Kenina pour le commentaire. C'est une marque de reconnaissance d'un parcours élogieux en politique et dans les actions communautaires. Ce diplôme de mérite est un couronnement d'une carrière riche d'un homme d'État. Freddy Kita Bukusu, ancien membre du gouvernement, ces derniers s'est vu décerner ses diplômes d'honneur par les parlementaires debout d'élus de PS. De quoi sublimer un immense parcours. Je dédie d'abord ce diplôme spécialement à ces femmes violées de l'Est, en nous voyant fardessées, qui ne cessent de repousser l'ennemi pour que nous puissions vivre totalement en paix. Je dédie aussi ce diplôme de mérite à un grand compagnon de combat. J'ai cité Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ensemble, nous avons combattu la dictature et au jour d'aujourd'hui, nous sommes fiers parce que le combat que nous a appris le patriarche docteur Étienne Tshisekedi a fini par payer. Nous savons que le pays traverse des moments très difficiles, des zones de turbulence, à cause de ces ennemis de la République qui veulent à tout prix piller nos ressources, prendre une partie de notre territoire,
mais chose qui est impossible et qui sera impossible parce que nous sommes debout jusqu'à ce que ces ennemis de la République seront chassés et neutralisés. Loin d'un fruit du hasard, ce prix est la résultante d'un combat politique et social dans la lignée des vertus telles que prônées par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Son parcours en tant qu'homme d'État a été honoré à travers un diplôme d'honneur de parlementaire debout. De qui s'agit-il? Je vous laisse voir ce reportage. Trois jours seulement après l'attaque des déplacés du conflit Mbole-Lengola et alliés vivant au camp Saint-Gabriel, les accusés sont désormais dans le box pour se justifier. Pour cette première audience foraine, les prévenus sont passés un à un devant les juges pour certifier de leur identité, nom, date de naissance, lieu d'origine, nationalité et profession. Tous les accusés sont soupçonnés d'avoir joué un rôle dans une attaque récente survenue sur les sites de la paroisse Saint-Gabriel dans la nuit du 25 au 26 août 2024, causant la mort de trois personnes et cinq blessés graves, aujourd'hui en soins intensifs. Cette cérémonie foraine organisée avec l'appui du Fonds national des réparations des victimes des violences sexuelles et celles liées aux crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité FONAREV veut rapprocher la justice des justiciables. Après l'identification des témoins et auteurs de ces crimes, la prochaine audience est renvoyée le vendredi 30 août 2024. Conformément à la loi du 26 décembre 2022, dans son article 22, le FONAREV est mandaté pour apporter une assistance juridique et judiciaire aux victimes de violences sexuelles liées au conflit et des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Il se rassure également que ces crimes ne restent pas impunis et que les victimes soient accompagnées devant les instances judiciaires pour se prévaloir de leurs droits afin d'obtenir réparation. C'était là l'audience foraine en procédure de flagrance contre le présumé auteur de l'attaque de déplacés du conflit Mbole et Lengola. La province du Nord Ubangi s'est mise sur les rails du développement. Le gouverneur de cette province a réceptionné l'important engins destinés à la construction de routes et de bus pour le transport urbain. C'est un reportage de nos confrères de l'RTNC Sud Ubangi. Dans le souci de matérialiser la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, dans la province de Ubangi, le gouvernement Lundimba Mobutu a conduit une forte délégation ce week-end à Businga. L'objectif de sa présence dans la cité portuaire de Businga est de réceptionner les lots d'engins destinés à la réhabilitation des routes ainsi que des bus de transport en commun, une dotation du gouvernement central à la population du Nord Ubangi. Le président de la société civile du Nord Ubangi et autres personnalités. Au cours de cette même cérémonie, plusieurs allocutions ont été prononcées tour à tour par l'administrateur du territoire de Businga, le président de la société civile du Nord Ubangi, les délégués de la Fédération des entreprises du Congo, section du Nord Ubangi et le directeur provincial de l'Office des routes. Cette dotation est la matérialisation de la promesse faite par le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, par l'entremise de son ministre des Infrastructures, Alexis Guissaro, lors de son passage dans la ville de Badolité. Ces engins sont actuellement dans la cité de Businga, se mettront au travail dans les jours à venir sur la route nationale numéro 24 et autres routes provinciales qui ont atteint un état de délabrement très avancé. Il faut signaler en passant que c'est le gouverneur de province de Nord Ubangi, Malo Mobutu Ndimba, qui a procédé à la coupure du ruban symbolique avant de visiter tous ces 13 engins et deux bus du transport en commun. Les routes de la ville de Walikali ne facilitent pas la fluidité des engins roulants. Conséquence, l'économie de ces provinces, de cette province tourne au ralenti. Le député national Ruben Mikondo fait un plaidoyer pour la réhabilitation de routes de ces territoires. Reportage. Dès son retour de sa circonscription électorale, le député national Rubens Mikindo est allé rencontrer le directeur provincial de l'Office des routes à Goma. Objectif, discuter des possibilités de lancer des travaux de réfection des routes à Walikale en attendant les grands travaux prévus par le gouvernement central en utilisant les engins qui sont déjà sur place, qui ont servi pour la construction de l'aérodrome de Kigoma. Pour l'honorable Rubens, il est important de rendre praticables les routes de Walikale pour des raisons stratégiques et sécuritaires. Et je viens tout droit de Walikale il y a quelques jours.
J'ai remarqué qu'il y a un travail qui a été fait au niveau de l'aérodrome de Walikale. Je préférais aller m'entretenir avec les responsables de l'office des routes au niveau de Walikale. J'ai vu des engins et j'ai posé des questions et j'ai reçu des réponses qui m'ont un peu donné de la joie parce que je me suis dit qu'avec ces machines qui sont là-bas à Walikale, nous pouvons faire un travail rapide étant donné que Walikale pour le moment se retrouve dans une zone opérationnelle et pour des raisons tout à fait stratégiques et sécuritaires. Je me suis dit que c'est le moment de faire quelque chose. Le directeur provincial de l'Office des routes a fait savoir que ce sont seulement les moyens qui font défaut, mais il compte sur l'apport de l'honorable Rubens Nikindo ainsi que ses plaidoyers pour lancer les travaux d'essai sur la RN3 et la route provinciale Walikale-Goma à partir de Walikale grâce aux machines qui sont sur place. Face aux différents conflits intercommunautaires dans la province de l'Équateur, le notable de la place appelle la population à cultiver les valeurs de la paix et de l'unité. Commentaire. Parti de Mbandaka, le 8 août 2024, lorsqu'il s'est embarqué dans un convoi de pirogues motorisées, destination Bolomba, chef-lieu du territoire qui porte le même nom. L'élu national Peter Lopose-Motingia s'est fait accompagner de l'honorable Bazenga, son premier suppléant à la députation provinciale, aujourd'hui député et d'une forte délégation. Chemin faisant, l'élu de Bolomba et sa suite se sont arrêtés à Mondjambi, à Boyenge 1 et 2 avant d'arriver à Bolomba Centre. Son convoi devait par moments s'arrêter, même la nuit, dans les campements le long du fleuve Congo pour communier avec sa base. Partout où il est passé, Peter Lopose-Motingia a prêché la paix et le développement de Bolomba, prenant d'abord soin de remercier la population qu'il a réélue à la députation provinciale et élue à la députation nationale. Peter Lopose devait aussi recevoir les désidératas de celle-ci. Les membres du regroupement Bambaku dans la province du Kwilu appellent à l'organisation des élections à Massimanimba. Ils l'ont fait à travers une marche de santé organisée dernièrement dans cette province. Nananawej. C'est une marche de santé, une façon de soumettre leurs désiderata aux autorités urbaines de la ville de Kikwit dans la province du Kwilu. Cette procession du regroupement SDK Bambaku avait comme point de départ la commune de Kanzombi pour chiter devant la mairie de la ville de Kikwit dans la commune de Lukolela. Le président de Bambaku, Papi Kimanga, a à cette occasion remis au maire de la ville de Kikwit, Abengia Makatiaka, les mémos reprenant leurs revendications. Au nombre des doléances contenues dans ces documents, l'implication du chef de l'État pour l'organisation des élections dans les territoires de Massimanimba et dans la province du Sidoubangi, la lutte contre les 400 têtes d'érosion, la construction de nouvelles routes ainsi que l'amélioration de la desserte en eau potable pour favoriser le développement de la ville de Kikwit. Des cris, détresse, des non-voix soient entendus et prenant l'opinion tant nationale qu'internationale à témoin. On ne peut pas parler du développement d'une province sans institution légale et légitime. Ils ont par ailleurs remercié le chef de l'État pour l'électrification de la ville de Kikwit avec l'énergie produite à Kakobola. La province de l'industrie du Congo central sollicite l'expertise de Louis Kabamba. Cette dernière a été reçue par la ministre nationale de l'industrie. Edith Chala pour le détail. En mission à Kinshasa, la ministre provinciale de l'entrepreneuriat du Congo central, Carole Kiatazabou, a été sollicitée l'appui du ministre national de l'industrie et développement des petites et moyennes entreprises, Luatum Kabamba, en vue de redynamiser le secteur de l'entrepreneuriat dans la province du Congo central. Plusieurs initiatives prises par la ministre provinciale seront réalisées pour faciliter le travail des entrepreneurs dans cette partie de la République. Ma présence ici au sein du ministère de PME Industrie, c'était pour présenter d'abord mes civilités auprès de l'excellence. Cela a été fait et nous avions parlé, échangé par rapport à l'entrepreneuriat au sein du Congo central, vu que je suis ministre moi-même de l'entrepreneuriat. Nous avions bien échangé, c'était un échange très fructueux et nous sommes satisfaits. Carole Kiatazabou est sorti rassuré après cet échange avec le ministre national de l'Industrie. En début de soirée,
la ministre provinciale est passée présenter ses civilités au chef du gouvernement de la République démocratique du Congo. La ville de Lodja menacée par des têtes d'érosion, connue des travaux d'Hercule pour éviter les drames. En vacances parlementaires, les députés nationaux Lambert Mende a visité ces chantiers. Cédric Enina pour le commentaire. Les vacances parlementaires, un moment d'entrer en contact direct avec sa base, mais aussi c'est rendre compte de projets communautaires. Les députés nationaux Lambert Mende Malanga a effectué une visite de terrain pour s'enquérir des travaux anti-érosifs financés par le gouvernement central sur instruction du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Ces travaux sont exécutés par l'entreprise Aeris Africa et visent à lutter contre les érosions qui menacent l'existence même de cette agglomération la plus importante de la province du Sankuru, la ville de Lodja. Accompagné de notables locaux, l'honorable Mendo Malanga a apprécié à sa juste valeur l'évolution de l'érection de collecteurs de plus de 500 mètres pour éviter des glissements des terrains, souvent mortels. Il a exprimé sa satisfaction quant à l'impact positif de ces projets sur la sécurité des personnes, mais aussi sur les infrastructures locales. La première chose qu'il faut dire après cette visite du chantier, c'est la satisfaction de constater que la société qui a pu gagner ce marché et qui travaille en collaboration avec l'Office des routes a mené les travaux de construction du collecteur. Profiter de mon passage sur le chantier pour renforcer le message, l'exhortation des populations de cette circonscription qui est la nôtre, la circonscription de Lodja, en direction de son Excellence Monsieur le Président de la République, du gouvernement et particulièrement des ministères des ITPR et des Finances, pour que le facteur temps soit pris en compte. Les travaux anti-érosifs, tels qu'exécutés par l'entreprise Aeris Africa, vont contribuer dans une large mesure au développement durable de Lodja et ses environs. En Ituri, l'archevêque de Bounia vient de réceptionner des canons rapides pour son diocèse. D'autres détails dans ce reportage. Les efforts du processus de paix du gouverneur militaire de l'Ituri et le sens des données enseignées par la foi catholique du groupe Saint-Alexis sous l'encadrement spirituel de l'abbé Floraté Djombou, aumônier diocésain avec la bénédiction de l'évêque catholique du diocèse de Bounia, ont poussé les chrétiens catholiques de bonne volonté, animés de générosité, à acquérir des canons rapides dont l'un a la capacité de 36 places et l'autre de 22 places en vue de faciliter les voyages vers l'Ouganda et autres localités lacustres. La cérémonie qui a démarré par une messe à la paroisse cathédrale de Muzimaria, suivie de la prière spéciale de bénédiction de ces deux anges lacustres, sur place à Kasséni, au lac Albert, à présence du représentant du gouverneur de province, le chef de secteur de Bahama Sud, du commissaire lacustre du lac Albert, du président interdiocésain du groupe Saint-Alexis et fondateur de ce groupe, Elias Douba Django, du président diocésain du groupe Saint-Alexis, Roger Ounega, et des autres membres actifs du même groupe, sans oublier des milliers de fidèles catholiques et des autres confessions religieuses. Nous pouvons dire que ces deux vedettes ne sont pas exclusivement pour l'Église catholique, étant donné que ces vedettes vont aussi aider tous les autres, non seulement les chrétiens, même ceux qui ne sont pas les chrétiens, s'ils veulent passer d'ici, de l'autre côté. Si nous vivons par la grâce de Dieu. Nous avons tout intérêt à offrir au Seigneur en vue de l'avancement de son œuvre. Et ceux-là qui sont des chrétiens catholiques et ceux qui ne le sont pas, de faire même dans leurs églises respectives. Parmi les grands contributeurs de cette œuvre figurent les opérateurs économiques chrétiens catholiques du groupe Saint-Alexis, animés par le président Feki Ituri, Loné Mamou Kwa Christophe, déterminé à changer l'image de l'Ituri par la conscience de la foi. Une randonnée a été effectuée sur le lac Albert, auquel il y avait l'évêque du diocèse catholique de Bounia, ainsi que plusieurs prêtres et fidèles du groupe Saint-Alexis, à la grande satisfaction de tous. Signalons que le groupe Saint-Alexis a pour mission d'aider l'Église catholique matériellement et financièrement. En séjour dans sa circonscription électorale, le député provincial élu du Tanganyika, l'honorable Elingoui, appelle les autorités territoriales à éradiquer les tracasseries policières et militaires à Kongolo, territoire situé à plus de 350 km de Kalemie. Reportage.
Le chef-lieu du territoire du Congo, Tarel Kavi, une véritable effervescence à l'occasion de l'arrivée de son mandataire à l'Assemblée provinciale du Tarelka. L'honorable rapporteur Ngoï Kayumba et Limbanzi sont venus nombreux, scandant des cris de joie, entonnant des chansons de joie avec des photos frappées d'effigie du gouverneur de province et de l'autorité morale du parti et de celui qu'on appelle affectueusement Papa Eli. Leur engouement créait une ambiance inhabituelle sur la trajectoire de cet élu des Congolos jusqu'à l'endroit où est prévue son adresse à sa base, dans laquelle il invite les autorités territoriales d'éradiquer la tracasserie policière et militaire, la suppression de plusieurs barrières qui mettent à mal les paisibles citoyens. Dans la foulée, on a noté la présence de la notabilité des Congolos, des membres de sa fondation et ceux de l'Union Sacrée, coordination territoriale, des Bambouli, ainsi que des militants et militantes, des membres des différentes mutualités qui ont bénéficié chacune d'elles des têtes, des vaches et des enveloppes, une façon pour lui de leur exprimer toute sa gratitude. L'arrivée de ce grand homme politique chez lui est très symbolique à plusieurs titres. C'est son retour officiel à Congolo après son élection de décembre 2023 et c'est aussi une opportunité pour les Congolois de montrer son indéfectible attachement. C'est lui qui a les soucis du développement des Congolos dans une période de 5 ans par le biais de ses interpellations, ses plaidoyers avec l'autorité provinciale dirigée des mains de maître par l'honorable Christian Kitungwa, gouverneur de province. Essentiel avec l'actualité, Anita Luambouachala sera de votre tout à l'heure pour le 20h. D'autres actualités à retrouver dans notre site www.rtnc.cd. Pour moi, je vous dis au revoir et passez une excellente soirée en compagnie de nos programmes.